Salut, c'est Alex et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va découvrir le jeu Mega Zombie ensemble. J'ai aucune idée de ce que c'est. En vrai, là, j'ai juste lancé une game auparavant. Je peux faire du Team Deathmatch. Last Man Standing, pour le moment, il n'y est pas. Et en fait, je téléchargeais un autre jeu sur la PlayStation parce qu'on est sur PlayStation 5. Et en le téléchargeant, j'ai vu que celui-là était gratuit. J'ai lancé une mini-game auparavant et vous allez le voir. J'ai jamais entendu une seule fois parler de ce jeu. J'avais aucune idée de son existence. En vrai, j'ai fait un enregistrement juste avant du début de la game. Et j'ai réglé la sensibilité. What? Et en réglant la sensibilité, je pouvais plus viser. Donc je me suis dit... Attendez, c'est un... Ils sont avec moi. Je me suis dit que j'allais recommencer l'enregistrement, j'ai quitté la game. Parce que dans les options, en baissant un peu le truc, et bah quand je visais, je pouvais plus... Je suis en train de faire une tuerie, là. Je pouvais plus viser. Mais ouais, je suis bloqué. Quelqu'un peut m'aider? De balle. Mais vite, vous inquiétez pas, il y a un nouveau concours avec Instant Gaming. Il suffit d'aller sur le lien en description, de mettre le jeu que vous souhaitez gagner, et à la fin du concours, et bah vous avez une chance de gagner un jeu gratuitement. Voilà, c'est tout. Salut. Il faudrait d'autres munitions, s'il vous plaît. Donc voilà, Mega Zombie, PlayStation 5, gratuit. J'ai aucune idée de je suis mort. C'est particulier, hein. C'est particulier. Et juste, je vous montre les options. En fait, j'étais paumé parce que regardez, la sensitivité, c'est un nouveau terme qui définit la sensibilité. Bon, je On va pas se moquer, c'est déjà bien que ça soit traduit en français. Mais la sensibilité au début était déjà beaucoup trop élevée. Et après j'ai juste diminué un peu. Et je pouvais plus viser, j'ai pas compris le truc. Et jeu gratuit, et il y avait l'air d'avoir un système où on pouvait acheter avec du véritable argent des trucs comme souvent. Maintenant, le système économique, vous me direz. Et j'ai pas trop compris le délire encore. Quoi? Tu as tué civil? J'ai tué un civil. Mais non, c'était pas un civil, c'était un infecté, non? Donc ouais, c'est une petite vidéo tranquille. Hein. Oula, là, par exemple, je pouvais plus bouger mon viseur. C'était peut-être une aptitude qu'il avait, le mec, pour m'empêcher de... J'entends marcher. M'empêcher de me déplacer. Une aptitude, quand on tire, on est perturbé. Je peux avoir d'autres armes ou pas? Non, tout le monde a l'air d'avoir la même arme en haut. Ok, et là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'était pas le truc le plus malin que j'ai fait dans ma vie, je crois. Donc, croyez-moi que j'en ai fait beaucoup de trucs pas malins. Et il y a... Aïe, il y a un recul des armes vraiment particulier. Vraiment compliqué. Mais au niveau du score, on est combien? Escouade Delta? Ouais, attends, je pense que je vais faire juste là. Est-ce que je peux sortir? En fait, j'aimerais juste sortir. Bon bah, je suis désolé, je suis dans votre dos. Et c'est vraiment des mecs? Oh, j'ai tué un phase! Oh là là, j'ai tué un phase. Ouais, j'aimerais bien essayer le Last Man Standing. Ça doit être très certainement une sorte de mode Battle Royale, mais avec ce jeu-là, je sais pas comment interpréter le mode Battle Royale. Enfin, je vais me rechercher. On a le corps à corps, ça serait bien. Je peux monter ou pas? Ok, bon, laisse tomber, je peux pas monter assez facilement. Pourquoi toi, tu meurs pas? Arrête! Oh, il m'a fait flipper. J'aimerais bien essayer le corps à corps aussi, faut juste que je me rappelle c'est quoi la touche. Vas-y, vas-y, tire, j'arrive derrière toi. Boss est arrivé, ah ouais, c'est des infectés qui sont plus résistants. Mince, mais passe pas devant. Des infectés qui sont un peu plus gros, c'est le seul truc que j'ai vu tout à l'heure et après j'ai arrêté. Ça des fois, je me demande si c'est... Ah oui, j'ai tué un joueur, c'est vraiment un joueur qui contrôle l'infecté quoi. Wow! Attends, laisse-moi tirer. Et là, pourquoi j'ai plus de vie? Pourquoi ils arrivent pas à me tuer? Ouais, j'ai peut-être parlé trop vite. Je peux tirer au bout d'un moment ou pas? Ça va ou quoi? Attends, je recharge. Je suis à combien de kills là? Je suis un monstre! Je suis un monstre! Attends, comment je prends une grenade? Je crois que c'est comme ça. Voilà, le temps que je prenne manade. Ils ont l'air d'arriver par là depuis tout à l'heure, non? Regardez, on va voir ça. Yeah! Comment ça pète? Ok, ça pète comme ça. Je voulais voir, je prends le temps de voir les explosions. Boss est arrivé. Oh, ça c'est le boss? Non, ça c'est un de mes potes. Hey, je vais enlever son chapeau. Par contre, j'ai plus de balles. On va devoir y aller. Oh non, pas le pistolet, vous êtes sérieux? Attends, j'arrive. Je peux glisser ou pas? Non, je peux m'accroupir. Ouais, non, lui il est avec moi. Il est passé où le gars? Par contre, ça c'est frustrant de pas pouvoir monter. Merci de m'avoir tué, Gary. J'avais besoin de balles un peu. Je sais même pas si on a différentes classes. Je sais que quand on débute le jeu, on peut choisir différents personnages. Moi, j'ai pris le mec cool.
Parce que je suis plutôt cool. Enfin, je crois. Je pense. Et si je m'accroupis, logiquement, je devrais être plus précis. Bon, est-ce que je peux voir le classement? Non. Vous avez acquis le buff de rechargement rapide. Ouais, en gros, je ramasse des caisses au sol qui me donnent une aptitude, des aptitudes supplémentaires. J'aimerais bien voir le classement. Non, ça c'est pour changer de caméra. Ah, ça c'est le classement. Ah, mais en fait, on est plusieurs équipes. Attendez. On est l'équipe en tête, je crois. Le boss est arrivé. Très bien. C'est pour ça que par moment, les ennemis sont tous ensemble. C'est que c'est des escouades, quoi. Là, ouais, tuer civil. C'est bizarre qu'ils appellent ça un civil, quand même. Il faut que je regarde en haut à droite si tout le monde a les mêmes armes. J'ai l'impression que... ouais, que tout le monde a les mêmes armes, du coup je vais pas pouvoir trop changer. Eh, hey, il y a un mec qui s'appelle Jojo, vas-y viens Jojo. Ah bah Jojo est mort. Il y a un zombie dans mon dos. Oh, tout, tout, tout. Et là j'ai tué par Big Gen. Big Gen, est-ce que c'est le nom d'un joueur ou c'est le nom d'un infecté? Je sais pas, mais la personne fait des sauts bizarres quand même. Ouais bon, c'est marrant, je voulais voir quand même, je me suis dit je vais tenter vraiment la véritable découverte d'un jeu. Sans savoir ce que c'était. D'habitude, je me renseigne quand même. Aïe. Mais je pense, ouais, là, le fait que j'ai pas ramassé beaucoup de caisses, je meurs beaucoup plus vite. Tout à l'heure, je devais avoir des bonus de vie, ce genre de délire, en tout cas. Et je sais pas, à vrai dire, s'il est sorti sur d'autres supports, tout ça. Ah. Non. Ah ouais, non, mais ils vont me faire mal. C'est vous. Merci. Merci. Aïe, attends. Mais non, je crois pas que ça soit... John Doe, ah ouais, je sais pas, je pense pas. John Doe, c'est le nom qu'on donne aux gens qui sont qui ont pas d'identité dans certains pays, c'est ça? Je crois que c'est aux États-Unis. Genre les mecs, s'ils sont amnésiques et qu'on les retrouve et qu'on sait pas comment ils s'appellent, on les appelle John Doe. Et d'ailleurs, il y a eu une série qui s'appelait John Doe à l'époque. Voilà. Mais genre, je sais des trucs. Ah, bah, Jedi m'a tué. Jedi, Jedi. Ouais, ça sera pas la vidéo la plus longue du monde, je pense, mais ce qu'on peut faire par contre, ça se fait pas, je sais, escouade Delta. Ah, c'est fini? Pourquoi je peux plus jouer? On a atteint un certain nombre de morts peut-être? Apocalypse. Et oh! Ce que je voulais faire en fait, c'était quitter. On a peut-être un quota de vie ou un truc. Quitter pour faire une autre carte. Ouais, bah je sais pas. Tué, j'ai tué 32 personnes et je suis mort 7 fois. Je peux revive ou pas? Ah, c'est moi? What? Trop bizarre, pourquoi j'ai pas pu... Pourquoi j'ai pas pu revive avant? Ouais, je meurs là et ensuite je vais changer de map pour qu'on voit une autre carte. Ne saute pas dessus s'il te plaît. Oh non, c'est Fifi Bande d'Acier mon gars. Comment elle s'appelait dans Hey Arnold? Edgar Pataki, non c'était pas ça? Attends, par contre je veux pas qu'Edgar me tue. Il fallait tuer des d'autres joueurs. Regardez, j'arrive dans leur dos. Il s'y attend pas. Et il va me tuer. Oh. C'est quoi ça? Ils sont là. J'arrive, mais je crois qu'il y a un autre joueur à ma gauche. J'entends des sons. Avec mes oreilles. C'est impressionnant. Oh non, une autre apocalypse. Nice. Bah, vas-y, tue-moi. Désolé, je t'ai tué avant, nous. Dès que je meurs, je change de map, on regarde à quoi il ressemble et après on s'arrêtera là. C'était une petite découverte tranquille au PPR. Oh. T'es avec moi. Voilà, je suis mort. Bon, c'est pas du rush kit, c'est du rush kit. Là c'est quoi squad? Je peux faire quoi en fait? Ah oui, c'est pour inviter mes potes et je peux pas faire... Non, il y a new. Je peux faire le mode... Non, il est peut-être pas encore disponible le mode... Last Man Standing. Donc là nous avons une nouvelle map. Elle vient de commencer, je pense. Vu tous les joueurs qui arrivent en haut à gauche. Ouais, vous me direz si vous en savez plus sur le jeu. Vous me direz depuis quand il est disponible. Vous me direz si vous y avez joué. C'est ce que vous en pensez. C'est gratuit. Ça coûte rien si vous voulez le télécharger comme moi. Si vous voulez mourir comme moi. Et allez, on se donne une fois à fond. Dernière fois, killstreak. Attendez, il y a marqué killstreak en bas à droite. Et à chaque fois, ça marche par équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs escouades. Non, j'ai la caméra de ce côté. Ok. Comment je sors? Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? C'est assez fou, ça, d'avoir un jeu où je peux pas sortir du bâtiment. Peut-être ici. Ah, voilà. En fait, faut que je trouve un endroit où il y a vraiment une porte. Bonjour. Merci. Mince, mince. Dépêche-toi de recharger. Il y a un mec, là.
On va aller le chercher. Il campe ou pas? Je t'ai vu. Ah, mais non. Vas-y, fais-toi bouffer, tiens, ça t'apprendra. Non, il est pas mort? Non, il est pas mort. Allez, une dernière vue, j'ai dit. Je sais que j'avais dit une dernière, mais c'est la dernière. Faut que j'aille les tuer. Ah, vas-y, viens, mon gars. Eh ouais, désolé. Non, dans mon dos. Non, dans mon autre dos. Parce que j'ai plein de dos. Il est où? Je suis pris dans un sac. Donne-moi tes trucs à toi. On est bon. Il y avait le mec qui était en haut, il campait là-haut, non? Il est où? C'était dans quel bâtiment? Je vais essayer d'aller chercher. Est-ce que je peux monter au moins? Ouais, je peux monter. Et non, il est pas. Ah, peut-être là-haut. On va faire tous les là-haut. Après, les plusieurs dos, c'est les plusieurs là-haut. Il est en dessous de moi ou quoi? Oh! Attends, laisse-moi vider mon chargeur autour de toi. Je vais tester la NAD. La NAD! Dépêche-toi! La NAD! La NAD! La NAD! Oh là là, oh, ça, en plus ça n'a même pas été bien lancé. C'est quoi ce jeu? Oh, je me prends des dégâts et je peux pas sauter. Pourquoi je peux pas sauter? Ah ça, je peux... Oh, punaise. Faut que je descende, ils sont tous en bas. Mince. La NAD, je vous assure, j'ai appuyé 700 fois, elle a pas voulu sauter une seule fois, partir de ma main. Attends, il va mourir tout seul, le gars. Tadam. Mince, j'ai tué les zombies sauf lui. Ah, c'est Jendo. Il a fait le tour. Il est où? T'es passé où, mon gars? Là, je t'ai vu. J'aimerais bien essayer le corps à corps, mais... Oh, t'as chaud, toi? Ok. Vous avez gagné des points bonus. Y'a un mec qui arrive. Vas-y, les zombies, on y va à deux sur lui. Ah, il campe. faible munition quand est-ce... Comment j'en récupère? Je fais bien les cris, hein. Eh non, mais il court trop vite, le mec. Tiens, je te donne les infectés. Et voilà, je suis mort. Bon, bah, on s'arrête là. C'était une découverte de méga zombies, je crois. J'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo rapide. Mais je me suis quand même amusé. C'est pas le jeu du siècle. Mais en vrai, il faudrait connaître son histoire. Parce que là, je fais une vidéo sans connaître l'histoire du jeu. Ça se trouve, il a une histoire particulière. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Et des fois on se retrouve avec des surprises, des jeux qui ont été faits par un seul développeur en un temps limité pour, je sais pas, l'histoire d'un salon, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se renseigner sur un jeu avant et de connaître l'histoire de pourquoi tu existes et pourquoi il y a autant de trucs à acheter pour avoir du véritable argent. Merci et à plus tard. Bye.